Salut tout le monde. Désolé à ceux que j'avais pas vu encore, je suis arrivé un peu tard. Donc, je reprends la conf de Laurent au pied levé. Je sais pas du tout ce qu'il voulait faire, donc je repars simplement de son abstract. En gros, il voulait parler de la programmation fonctionnelle, donc du higher order Perl, de toutes les méthodes qu'on peut trouver dans le monde fonctionnel, donc ce qui est purification, application partielle et passage de fonction. Malheureusement, ça ressemble beaucoup à un talk que j'avais fait il y a 2 ans sur Perlude, sauf qu'on va faire la même sans Perlude. Voilà, c'est à peu près comme ça que je vois le truc. Au niveau des donc là on va avoir les trucs bruts de fonderie qu'on peut faire avec du Perl sans lib tout ça. Il faut quand même voir qu'il y a des gens qui ben moi avec modestement avec Perlude, et il y a des gens par exemple en Angleterre je vais pas écorcher son nickname mais qui essaient vraiment d'implémenter des concepts fonctionnels qu'on va plus trouver dans des trucs comme Haskell et tout ça. Je ne sais pas très très bien où ça va aller, mais ça peut être intéressant à suivre. Mais par contre, nous, dans Perlude, on s'était rendu compte qu'on ne pouvait pas aller non plus très 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 loin dans l'implémentation des concepts fonctionnels, parce qu'à un moment, pour des questions d'optimisation, de gestion de la mémoire notamment, on a clairement besoin d'avoir des indications à la compilation, Perl étant un langage interprété, il faut jouer avec Perl 6. Et oui, pour ceux qui aiment la programmation fonctionnelle, clairement, allez voir du côté de Perl 6, il y a vraiment des trucs assez sympathiques. Donc, par contre, je vais me poser. Il y a moyen de. Je vais devoir écrire en même temps, en fait. Et du coup, je suis en train de me dire. Tu t'assieds, t'écris, je tiens le micro. Ça va être cool. Attends, on va. Ça marche, hein? Donc, le truc c'est. Alors, par contre. Pardon? Par contre, je peux pas courir partout pour les questions. Ouais. Bon, tu sais quoi? C'est dérangeant s'il y a pas le micro. Si, c'est dérangeant. C'est dérangeant? Non, Ok. pas du tout. Merci. Putain, là, ça fait coloc, c'est bien. Là, c'est bon? Ok, merci. Un des concepts fondamentaux de la programmation fonctionnelle, c'est que les fonctions sont des valeurs comme des autres. Okay. Donc, là, les plus vieux d'entre vous vont me dire, bon, en fait, en Perl, tout est symbole, une fonction, c'est un symbole, je peux l'appeler. Donc, si on enlève strict, on peut faire à peu près n'importe quoi. Juste. Mais illisible et indébuggable. Donc du coup, on a laissé tomber cette approche. Par contre, alors oui, n'hésitez surtout pas à me couper dès qu'il y a la moindre question. Je veux dire, je ne sais pas où je vais, je défriche le truc. N'hésitez pas à m'aider, à poser la moindre question. Voilà. Donc, parce que la trame n'est pas forcément super rodée. Donc, par contre, ce qu'on peut faire en Perl, donc pour rappeler pour mémoire, hein, sub f, je vais rappeler ce qu'est une fonction en Perl, donc on appelle ça une sub. La sub peut renvoyer quelque chose, ok? Return 12, par exemple. Donc là, je viens d'écrire une fonction qui renvoie 12. OK? Sachant que. Pardon? Voilà, c'est ça. Sachant que. Alors, ça fait un gros débat dans. Enfin, voilà, à chaque fois, je me fais troller parce que j'utilise. Mais moi, j'ai pas besoin de return, donc je l'enlève. OK? Donc. Pardon? Ni point virgule. Voilà. J'aime bien virer les symboles en trop. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une fonction qui ramène 12. Vous pouvez. Vous avez un tableau qui correspond à la liste des arguments qui sont passés. D'accord? Vous pouvez donc lister ces tableaux. Donc,
par exemple, c'est juste au cas où il y aurait vraiment des gens qui ont vraiment pas pratiqué perdre dans la salle. Ça, tout le monde est OK. Hein. Le tableau, at, underscore, OK. Depuis Perl 5.20, vous pouvez écrire... Donc il y a des signatures qui ont été introduites. Je vais pas aller sur les signatures parce que c'est pas le but, mais il y a moyen de mettre des valeurs par défaut, des comportements par défaut, si une variable n'a pas été passée, ainsi de suite. Donc on est beaucoup plus proche maintenant des choses qui avaient été faites avec dans le CPAN avec des choses, méthode signature par exemple, qui était très proche de ce qu'on trouve comme signature dans Perl 6. Mais voilà. Donc à partir de 5.20, on peut écrire des choses comme ça. Pardon ? 5 ? Ah non. En fait, 5.10. Alors, depuis 5.10, il y a des choses qui avaient été introduites dans le CPAN qui permettaient de modifier le source Perl en Perl. Et donc, du coup, il y a des gens qui avaient écrit des modules qui géraient, qui étendaient la syntaxe, et dont des trucs comme signatures ou méthode signatures, mais c'était un module externe. Tu étais obligé de faire un use signature ou use méthode signature pour avoir des signatures. En plus, les mots-clés, comme le parseur, changer de comportement avec des mots-clés bien précis, ça introduisait des mots-clés différents. Par exemple, tu avais sub, l'ancienne version, tu avais funk qui permettait d'avoir des subs avec des signatures, tu avais méthode qui permettait d'avoir des subs avec des signatures et qui prenait toujours le premier élément comme étant self. Tu avais des trucs comme ça, mais toujours c'était des modules externes. Depuis 5.20, c'est dans l'interpréteur. Donc c'est assez récent. Voilà. Tout le monde sait ce qu'est un scope ? Ok. Donc. X. Sub. Counter. Voilà une déclaration de fonction. On va mettre use strict. Use warning. Ok, ou même, on va pas. C'est pas la guerre, on va. Et par contre, je sais jamais si vous m'aidez, que c'est 5.18, 5.0.18, un truc comme ça. Pour V5.18, ça marche ça? Ok. 7 mec PRG. Voilà. Ok. Hop. Donc là, si je fais ça. Yeah. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une fonction qui a été déclarée dans un bloc. Mais elle est locale au package. Une fonction est locale au package. D'accord ? Par contre, my est déclaré dans le bloc et donc n'existe que dans ce bloc-là.
La fonction reste accessible après le bloc, mais le X a disparu. Pourtant, la fonction utilise le X. Dans ce genre de cas, où en fait vous avez utilisé dans la déclaration d'une fonction une variable qui va être dégommée quand vous allez sortir d'un scope, vous venez de capturer l'état de la variable. Ok ? Pour ceux qui ont fait du C, c'est statique. Enfin, j'imagine qu'il y a ça dans tous les langages de programmation, mais pour ceux qui ont fait du C, c'est le mot-clé statique. Donc du coup, X est vraiment maintenant un état qui va survivre d'appel en appel dans la fonction. Ok ? Ça parle à tout le monde, ça ? Donc là, si je fais say counter, ben, du coup, il va afficher 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. À partir de Perl 5.10, on a eu... ils ont rajouté le mot-clé state. Voilà. Donc la version moderne de ce truc-là, c'est en utilisant un state. Donc là, c'est exactement les deux comportements sont les mêmes, mais l'un est plus lisible mais ne fonctionne qu'avec 5.10, et l'autre demande à comprendre clairement comment fonctionnent les scopes, mais par contre fonctionne depuis les perles antédiluviennes. Donc, ça c'était pour les états. Donc, on est capable de faire des générateurs. Okay, donc, vous allez appeler votre fonction. Enfin, on va voir. Donc, ça, on obtient des fonctions qui peuvent être des itérateurs sur des suites, par exemple. On va décrire sa suite dans la fonction. On balance un state au départ, et puis, du coup, à chaque fois qu'on appelle la fonction, on a le prochain élément de la suite qui est calculé. Donc, autre chose qu'il faut savoir, c'est la notion de référence. Donc on peut faire un sub éventuellement vide, on s'en fout, c'est pour l'idée. Allez, on va quand même mettre 12 dedans. My ref est égal à F. Voilà. Là, j'ai une référence. Donc tout le monde voit la référence. Ok. Donc j'ai une référence à une fonction. Et donc du coup, pour déréférencer, j'utilise la fameuse flèche. Et je vais mettre une parenthèse vide pour... Ref. On sait... ref. Voilà. Là, je fais mon petit X. Voilà. Il affiche 12. Tout va bien. Et du coup, on peut aussi créer des fonctions anonymes. Donc là, en l'occurrence, il n'est pas du tout nécessaire... Il n'est pas du tout nécessaire, en fait, de donner un nom à la fonction, et on peut directement avoir une fonction anonyme et s'en servir. Voilà, donc on a toujours 12. J'ai perdu personne ? Ok, on continue. Donc, du coup... je peux très bien avoir, donc tout le monde, tout le monde est habitué à la notion d'itérateur. J'ai utilisé la notion d'itérateur, mais vraiment cette idée qu'on a un état qu'on va pouvoir développer d'appel en appel. Hein, donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est create counter. En fait, c'est dommage de ne pas avoir du 5.20 parce que moi, j'aurais bien aimé écrire comme ça, mais
Donc create counter, éventuellement on va lui dire qu'il ne prend qu'une seule variable qui est from. Hop. Donc from est local à la est local à la fonction. Et je vais faire un sub. D'ailleurs, je peux passer un proto hein, au sub. Je peux dire qu'il n'accepte pas d'argument. Et je vais faire un from plus. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, effectivement, pour ceux qui ont. On peut mettre un return ici. OK? Peut-être ça aide à comprendre, mais c'est vraiment voilà. Personnellement, j'aime pas ça. Donc voilà. C'est moi qui fais le talk. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais alors le truc c'est simple. Moi le return, j'ai des vrais. Bon c'est pas juste je veux gagner quelques keystrokes en fait. Mais le truc c'est j'utilise vraiment le mot return quand j'ai besoin de quitter explicitement la fonction. Pour moi c'est un mot clé qui me dit là il faut s'arrêter. Un autre truc, c'est le fait de comprendre cette notion que le bloc renvoie la dernière expression évaluée, fait que du coup, si tu vois par exemple dans un bloc do ou dans un bloc map, tu ne peux pas utiliser return. C'est vraiment la dernière expression du bloc qui est évaluée. Non ? Bon, attends, je fais démo. My source égale do. Par exemple file name égale shift open my fh file name or die open oops voilà donc là et là fh. On voit pas la droite de l'écran. On voit pas. Ouais, bon, c'était un message. Ou la gauche, ça dépend dans quel sens tu le prends. Ouais, c'est vrai. Bon, alors. On va prendre ça. Tant pis, hein, c'est pas très bien indenté, mais. Là, c'est bon. Ça reprend simplement file name. Hein. Alors, c'est vraiment jusqu'au bout. Voilà. OK. Désolé pour l'indentation, c'est un peu difficile à suivre du coup. Donc, j'ai un bloc, ok, où je vais utiliser une variable locale qui est le fileName, dont je me fous dans le reste de mon programme. Donc, j'ai pas envie de polluer mon scope avec une variable qui sort de nulle part et qui sera utilisée une fois, d'accord. Donc, je fais mon do, j'utilise fileName une fois. J'ouvre le fichier avec ce fileName et j'ai gardé fileName justement parce que je voulais éventuellement mettre un message d'erreur un peu explicite, d'accord. Et ensuite ici, ce que je veux, c'est que mon do renvoie le fileHandle. Donc c'est source qui va être initialisé, source est initialisée avec fileHandle. Mais là, je ne peux pas faire de return. Ce n'est pas une fonction. Donc il faut vraiment comprendre cette idée de la dernière valeur du bloc est renvoyée. Un bloc renvoie toujours une valeur qui est la dernière
qui sera évalué. On a parfois des fonctions où on va avoir des dispatchers, par exemple. Quand vous avez des trucs un peu longs, genre action for user, par exemple. Là, on va faire if user is admin. Faire encore if user has mail send message else. Oups. Ah. C'est quoi pour SS7.2, je crois. Hein? CTS? Ok. Voilà. Là, c'est bon? Ok. Ah oui, donc vous voyez rien en fait. Là, typiquement, on n'est pas obligé de coller du return partout et on va simplement dérouler le truc et voilà. C'est possible comme ça de dispatcher sans avoir à coller des returns un peu partout. Et moi, clairement, je trouve que ce genre de truc est plus. Voilà, ça permet d'aérer les choses, quoi. Donc. Pareil pour le map, je disais, dans le map, vous faites du map, on peut très bien reprendre ici d'ailleurs, submass open, qui serait évidemment un peu idiot, mais... On peut très bien faire un map de mon cas. Non, mais c'est non, mais je peux plus bouger. C'est K en fait qui est. Je sais pas pourquoi. Ah non, je suis passé en. Voilà, j'étais passé en majuscule. Du coup, il m'embêtait un petit peu. Voilà. C'est bon. Ouais, voilà. Donc là, typiquement, on a cette fonction fait quoi? Elle renvoie une liste de file handlers qui correspondent à la liste des fichiers des paths qu'on a passés en entrée. D'accord ? Il n'y a pas de return, mais il y a eu deux niveaux de retour. Il y a eu le retour de la liste complète, le résultat du map, mais le map aussi avait un bloc qui a appelé des fonctions, qui a été appelé à chaque élément du tableau. Et là, dans ce truc-là, si on fout un return, il se passe quoi ? Si je mets un return ici, il se passe quoi ?
Ouais, tout le monde est d'accord là-dessus, hein. Ça renvoie du coup un file handler sur le premier élément de la liste. Ok ? Donc ça a assez peu d'intérêt. Donc vraiment, il y a cette notion de le fait de mettre un do, le fait d'utiliser un return n'est pas un truc qui veut dire forcément. Ça ne veut pas dire sortir d'un bloc, ça veut dire sortir d'une fonction. Et du coup, en plus, pour moi, ça veut clairement dire sortir d'une fonction dans un certain, contexte, quoi. C'est à partir de maintenant, tu arrêtes de bosser. Ok. Des questions? Non? Ok, j'avance. Donc voilà, donc c'était pour dire, moi, le sub, je veux l'écrire comme ça. Ici, on a un générateur. C'est-à-dire, en gros, on a une fonction qui renvoie une référence à une fonction, qui est un itérateur, d'accord? Et le fait de générer un itérateur, c'est fait typiquement par des fonctions qui s'appellent des générateurs. Donc là, on est vraiment dans des trucs où... ceux qui font du shell vont dire SAC10, c'est un générateur. Hein, je veux dire, voilà, c'est un truc qui va lancer un programme, qui maintient un état, et ça fait la même. Dans les langages fonctionnels, c'est effectivement une façon très, très idiomatique de programmer. Donc voilà, on se retrouve avec un générateur. Et ensuite, la façon dont on utilise ça dans les langages procéduraux, comme objets, comme le sont les langages dynamiques actuels. Donc on crée un itérateur, my count. Hop. Counter, create counter, 10, 12 par exemple. Donc là, on va faire un... Ok. Tout le monde est d'accord avec ça? Pardon? Ouais, c'est ça. Il a encapsulé la valeur de from. C'est l'état, l'état dont je parlais avant. C'est le state. C'est le comme from n'existe qu'au moment où la fonction est créée et que from va être détruit, mais que la fonction va subsister vu qu'elle sera renvoyée cette fois-ci. Bah du coup, c'est à nouveau une clôture syntaxique. Ok. Donc du coup l'état de from est maintenu dans la fonction qui est référencée, et à chaque appel elle va pouvoir être incrémentée. Ça va pour tout le monde? Bon, donc là du coup on retrouve le truc assez typique de dire je vais laisser mon compteur. While my i égale counter while my i égale counter supérieur à inférieur à 20. I. Ok. Bon, là, il n'y a pas de vrai... Là, c'est du perle, hein. Années 90, tout ça. J'ai oublié UCGI pour que ça fasse vraiment... Bon. En fait, ce qui serait cool, c'est plutôt d'écrire des trucs façon... genre... Tech 5...
my vols values par exemple égal take 5 de counter. Ça, ce serait quand même légèrement plus sexy. Okay. Donc, comment on va faire ça? On va prendre counter, qui est une référence à une fonction. Donc, c'est là où on ment un petit peu. On ne peut pas vraiment passer des fonctions en Perl, mais on peut passer la référence à des fonctions. Donc, on appelle ça du higher order Perl. Donc là, vraiment, la notion de dire higher order, c'est l'idée, comme je disais au début, de... Une fonction est une variable comme une autre et peut être passée à une fonction, et les fonctions peuvent renvoyer des fonctions qui peuvent renvoyer des fonctions qui peuvent vous brûler le cerveau. C'est ça l'idée. Donc, comment on va implémenter take 5 Eh bien... Donc là, on va avoir un truc qui prend deux variables, hein. Donc, la première variable, c'est le nombre qui est attendu, le nombre de variables attendues, et la deuxième variable, c'est l'itérateur. On dépile, et on va dire ensuite, ouais, non, j'aime bien le proto, je le dirai, ça m'énerve. Donc, là, on va faire quoi? Comment vous l'implémenteriez, ça? Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. On est tous d'accord là? Donc en gros, je prends le tableau, je me fous bien de ce qu'il y a dans le tableau, hein, parce que, enfin, je crée un range donc, qui va de 1 au nombre attendu, donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est ce que je veux. Mais sauf que le 1, le map ne sert qu'à compter, et par contre, je veux autant d'itérations de l'itérateur que. Qu'on m'en a demandé. Donc là, typiquement, si je fais un say for take 5 counter, normalement, si l'effet démo. Ah, il y a un effet démo. Ah, je détruis counter. Bon. J'ai gardé create counter, ouais. Bon, du coup, on s'en fout de counter, hein, parce qu'en général, on fait plutôt comme ça. Ok ? On n'a pas besoin d'une variable intermédiaire. Ça va, create counter va être évalué et va remplacer ici, enfin, du coup, va renvoyer un itérateur, et cet itérateur est le deuxième argument de la fonction take. Okay, et là, il a rien balancé. Ouais, parce que save for values. Ok, voilà. Donc là, en fait, on a deux choses. On a utilisé le higher order pour deux choses. Premièrement, dans le premier cas, créer une génération, créer un générateur. Et dans le deuxième cas, on va prendre une fonction et lui appliquer un filtrage ou l'étendre. Okay. En gros, vous êtes habitué à ça depuis le millénaire dernier, parce que quand vous faites ça avec map et grep, vous passez en fait vous passez un bloc qui est anonyme avec
avec de la mécanique dedans. Et le résultat du tableau, l'application, d'ailleurs, les gens du monde fonctionnel disent ça, le résultat d'un map, c'est l'application de ce bloc sur la liste d'origine. Donc, la logique, elle est déjà là. Ce que va permettre, en termes de syntaxe, en fait. Ce qu'on a simplement rajouté, c'est de commencer vraiment à jouer avec des références de fonctions. Maintenant, là, il y a un souci, finalement. C'est, voilà, on a créé create counter, take 5, machin. Là, typiquement, il y a quand même une petite arnaque, c'est que un vieux mongeur va dire, mais si tu écris... ça, j'imagine que ça marche aussi. Ok. Donc, du coup, à quoi bon avoir écrit deux fonctions ? Ce qui serait plus intelligent, c'est de se dire, à chaque fois que je fais, que je génère une fonction, je vais, bah, par exemple, là, typiquement, si on veut reproduire un map, sublmap, je vais l'appeler lmap. Donc, si vous, tout le monde connaît les prototypes, ça parle à tout le monde. Alors, j'explique quand même rapidement. Ça, c'est un prototype qui dit je vais créer une fonction qui s'appelle lmap. Le premier paramètre de la fonction est un bloc de code. Donc ça permet justement, quand vous utilisez map, vous pouvez mettre ici un bloc de code. Si vous essayez en fait de faire ça, de passer un bloc de code à d'autres fonctions, genre print ou take ou machin, ça va juste se bananer lamentablement. Pourquoi ? Parce que l'interpréteur a besoin de savoir qu'il y a un bloc de code et doit pouvoir l'évaluer comme un bloc de code. Donc il faut le prévenir. Et comme les prototypes sont gérés au bytecoding, donc à la compilation et pas à l'interprétation, du coup il s'attend à pouvoir voir un bloc de code. Donc là ça veut dire que c'est une fonction qui prend un bloc de code et une valeur. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce lmap ? Et donc, ici, je vais renvoyer une fonction. Dans cette fonction, je fais quoi ? Je vais localiser de la underscore, parce que c'est pratique de pouvoir utiliser de la underscore, et je vais lui dire le dollar underscore, c'est le résultat de l'itération, voilà. Si je fais un behave donc si je fais un behave je peux écrire
Ouais. Ah, vous voyez plus à droite. Attends, je vais plutôt faire ça. Je vais essayer de remonter aussi, ça peut être sympa. Qu'est-ce que j'ai écrit là? J'ai écrit une fonction qui va prendre une fonction en entrée, qui va faire à chaque appel, qui va lire un élément de la fonction qui était en entrée, qui va faire un truc dessus, et qui va renvoyer le résultat de la fonction. OK? Donc en gros, là, ce qu'on vient de faire, c'est on a créé un map, mais qui est ce qu'on appelle on-demand. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude des langages fonctionnels, ou si vous avez l'habitude d'utiliser les pipes en shell, le pipe, c'est assez magique. Vous pouvez lui balancer une entrée qui éventuellement a des millions d'entrées de lignes à la tronche. Si vous arrêtez à la cinquième ligne et que vous lui dites stop, par exemple avec 7, vous lui mettez 5Q, donc à la ligne 5, j'arrête. En gros, il aura lu 5 lignes, pas une de plus. Il n'a rien chargé en avance, il a attendu bêtement qu'on lise des lignes, on en a pris 5, on en a affiché 5 et on quitte. Ce comportement, si vous faites ça, par exemple, si vous utilisez un map sur un file handle en Perl, Perl, il va lire tout le fichier, qui peut être assez gros. Avec le map, c'est le comportement. Hein. Map veut une liste. Le file handle, quand on l'utilise dans le contexte de liste, on charge tout ce qu'on peut. Donc on charge l'intégralité des lignes. Et ensuite, on va éventuellement bosser sur les 5 premières. C'est peu intéressant. Ce qui serait bien, c'est de récupérer le côté intuitif et facile du map, mais sans avoir ce pénible problème de mémoire et de travail supplémentaire. Donc, là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si je fais... J'ai... Pour être sûr, pour voir si tout le monde a pigé. CIG va faire... Il y a une interro après. Moi, je suis assez d'accord avec ça. OK? Donc, bon, c'est cool. On a un truc qui permet de faire un générateur. On a un truc qui permet de faire une application sur un générateur. Okay, pour ceux qui ont vu des langages fonctionnels, là en fait, lmap s'appellerait plus probablement dans un langage fonctionnel apply. Okay, on apply un bloc à une liste. Là, apply. Là, on avait tech 5. Donc là, en fait, ça devient. Il faudrait modifier un peu tech 5. Il faudrait lui dire. Ici, tu renvoies une fonction. Pardon? C'est le principe du fonctionnel en même temps, hein. C'est vraiment ça. C'est l'idée de dire, ben, au lieu d'écrire des boucles while, for, machin, on va tout utiliser sous la forme de fonctions qui se combinent les unes les autres. Alors, éventuellement, pour ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'Unix ou pas fait beaucoup de fonctionnel, vous pouvez peut-être vous poser la question de pourquoi. Pour ceux qui ont fait du shell et qui n'ont jamais eu à incrémenter eux-mêmes, par exemple, les boucles, savoir quand on voulait 10 éléments, par exemple, on fait un sec 10 et on n'a pas à compter, on n'a pas à maintenir un truc. Donc non seulement vous avez des choses qui sont composables, dans le sens où... Enfin, non seulement vous avez toute cette mécanique qui est gérée par les fonctions elles-mêmes, vous n'avez plus à maintenir des états qui sont là juste pour contrôler le fonctionnement de votre programme. Ça va être l'heure, c'est ça? Ah, pardon. Non. Ah non, il faut me dire stop, hein. Ah, parce que moi je peux...
Donc non seulement vous avez non mais je savais pas qu'il était on avait pas, voilà. Donc non seulement en fait vous avez ben, je vais m'arrêter là du coup peut-être non seulement vous n'êtes pas obligé de maintenir un certain nombre de variables et surtout d'avoir à recoder sans cesse des itérations, des choses comme ça. C'est voilà, c'est combien de fois, je suis sûr que vous vous rappelez tous, on a tous fait ça, le fait d'oublier l'incrémentation d'un compteur dans une boucle while et qui part à l'infini et ce genre de choses. Moi, c'est le genre de truc qui m'arrive systématiquement quand je refais du C. C'est voilà. Faut pas refaire du C, mais bon, même en Perl, t'as quand même ce genre de problème d'avoir à maintenir ce genre de truc. Et la composition, mine de rien, quand tu regardes le fait d'avoir une incrémentation, c'est quelque chose que tu fais très régulièrement. Le fait d'avoir moi-même à le recoder à chaque fois, alors qu'il y a des libs qui font ça pour moi et je fais un range de machin et ça me génère autant de fonctions et j'ai pas à gérer moi-même l'itération de ce truc-là, c'est juste confortable. Ça permet d'avoir des programmes plus simples, plus faciles à décomposer, plus faciles à relire, plus faciles à maintenir et avec moins de mécanique à coder soi-même, donc moins d'erreurs, moins de code, c'est moins d'erreurs. C'est mon parti, mais enfin, je veux dire, c'est discutable, mais voilà. Donc du coup, j'en profite pour faire de la promo. Tout ce que vous avez vu là, vous n'avez pas à le recoder vous-même. Il y a des libs qui existent. Donc, j'avais présenté moi ma propre créature il y a 2 ans. 2 ans et 4 ans. Ouais, ça commence à dater. Voilà. Je ne suis pas le seul. Il y avait Marc Dominus bon, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Higher Order Perl, qui expliquait tous ces trucs-là il y a déjà... 5-6 ans, ouais. Et il y a plein de gens qui ont lu Higher Order Perl et qui, du coup, se sont dit bah, les trucs qu'il explique dans le bouquin, ce serait cool d'avoir des libs sur le CPAN qui reprennent les concepts. Donc il y a plein de gens qui réfléchissent au fonctionnel en Perl. Là, c'était vraiment pour vous montrer ce qu'il y a derrière, les concepts. C'est pas très intéressant. Enfin, c'est déjà bien. Mais je pense qu'il faut pas essayer de le recoder soi-même. Il faut éventuellement aller explorer. Si quelqu'un connaît le nom de cet anglais ou de cet écossais là, dont c'est Omescon ou je sais plus quoi, qui fait voilà, qui lui s'intéresse vraiment, lui il veut carrément implémenter les lazy lists en Perl. J'aimerais vraiment voir où ça en est. Mais en tout cas, moi j'ai un truc assez perlude et assez rudimentaire, mais je m'en sers tous les jours parce que c'est super pratique quoi. C'est vraiment un truc qui fait que les avantages que je trouvais à faire du pipe ou les concisions et les élégances que je trouve dans les langages fonctionnels, on peut les avoir en Perl pour peu qu'on cache un peu la mécanique derrière des libs quoi. Voilà. Quel avantage on pourrait avoir moi, si on veut changer de stratégie par rapport à un langage à partir d'oreille comme Erlang ou Prolog? Ah, quel avantage par rapport au vrai langage fonctionnel? Bah oui. Alors, pour avoir clairement... Ben c'est du Perl. Non, ouais. Alors, donc, pour moi, le gros avantage, c'est que tu gardes... En termes de vraiment de programmation fonctionnelle, c'est clair que Perl a vraiment des wagons de retard quand tu as vu un peu de Haskell ou bon Erlang, c'est quand même, enfin faut vouloir quoi, mais si tu as fait du Haskell ou ce genre de truc, il est clair que Perl n'a pas l'élégance fonctionnelle et l'algorithmie de ce genre de langage. Il y a des mécanismes qui n'existent pas et qui seront juste pas implémentables. Mais on commence quand même, à force justement de rajouter des libs, par exemple, j'ai vu, il y a de plus en plus les typages dynamiques, là, hein. Il y a des gens qui utilisent le terme maybe, par exemple, pour dire que la valeur passe. Donc on commence à avoir des libs qui miment en fait le comportement de ces langages. Par contre, quand tu commences à vouloir traiter du texte, par exemple, et que tu as besoin de claquer une recherche par motif ou de la substitution ou ce genre de truc comme ça, tu te rends compte que ben, les langages fonctionnels sont pensés pour faire du fonctionnel, mais pas pour traiter du texte. Voilà. Et du coup, je ne suis pas très, très productif dans les vrais langages fonctionnels. J'ai des grosses habitudes en Perl. Et le gros avantage aussi, c'est que c'est pas parce que tu te mets à aimer le fonctionnel que tu vas dire ce code Perl de 200 000 lignes, je vais le réécrire.
Non, tu maintiens. On a beaucoup d'historique en Perl. Ou ce serait quand même pratique d'avoir des choses qui soient écrites en fonctionnel. Donc ça permet de gérer l'historique, ça permet de profiter quand même de toute la puissance de Perl sur d'autres, sur des problématiques de traitement de texte, par exemple. Ça permet de réutiliser ses pannes. Donc voilà, c'est en gros, ça a quand même un gros intérêt d'utiliser du fonctionnel en Perl. Et puis ça permet, si tu as aussi une équipe de mongeurs, tu ne vas pas leur arriver un matin et leur dire « Bon les gars, aujourd'hui on se met à HQL ». Je veux dire, c'est pas quelque chose qui prend très très vite, quoi. Et puis après, il y a Perl 6 qui, lui, par contre, il y a pas mal de fonctionnels dedans. Et voilà, il y a peut-être une continuité comme ça qui peut se faire autour de Perl. Pardon ? Je préfère rester dans des stratégies plus classiques et quitte à utiliser Moose. Parce qu'on va travailler en objet à ce moment-là. Alors, de même que je disais, on a un langage qui permet de faire du fonctionnel et on a mis des libs au-dessus. Moose, c'est la même stratégie. C'est le fait de dire, on a un langage qui permet de faire de l'objet, on peut très bien faire des blesses, on peut très bien. Et Moose rajoute une librairie au-dessus qui va te permettre d'avoir. D'être en compétition avec en termes de syntaxe et de mots clés de ce genre de choses qui va faire qu'il va être plus lisible et plus simple à utiliser. Une structuration de la programmation pour diminuer justement éventuellement les risques d'erreur. C'est ça aussi l'intérêt de la programmation objet. Ouais, mais alors le truc c'est on va dire, je suis pas très très fan de programmation objet. Maintenant, par contre, je vais te dire quand même un truc, c'est pas incompatible. C'est-à-dire, si vous prenez, pour ceux qui connaissent PowerShell, c'est le truc qui est utilisé dans le monde Microsoft, où en fait, eux, ils ont mélangé les deux. On peut piper des objets. Donc en gros, c'est plus dans le pipe unique, c'est du texte. Dans les pipes PowerShell, c'est des objets du .NET. En gros, quand tu utilises Emu et Perlude, par exemple, je prends ma chapelle, bah, tu as un truc qui te permet de manipuler fonctionnellement des objets. J'ai les deux. Donc, j'ai pas à faire un choix. Quand j'ai besoin de faire des trucs, quand je conceptualise les choses sous la forme d'objets, c'est-à-dire un truc qui a des propriétés et des méthodes, eh ben, du coup, je vais faire de l'objet. Mais après, de temps en temps, j'ai des trucs qui vont... Par exemple, typiquement, les sorties des ORM, il y a ils vont te renvoyer un générateur d'objets. Ils vont te dire, bah, tu crées un itérateur qui va te renvoyer chaque élément de la table SQL sous la forme d'un objet. Bah, en fait, moi, je n'ai pas envie d'écrire une boucle while. Là j'ai envie de dire, bah, take five, le résultat de mon truc SQL. Et dans take five, je vais faire une application où je peux utiliser les méthodes de mon objet. Ce n'est pas incompatible. Mais j'ai les deux. Je me sers des deux. D'autres questions ? Merci, Marc. Merci.